coup, en disant, vous pouvez y aller, essayez juste de faire gaffe à pas transpercer les vitres. Tournons, passez par le milieu. Prêt? C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et on relâche, tranquille, on marche. Un atelier artistique théâtre, c'est un dispositif qui est déjà ancien maintenant, qui regroupe des élèves d'un établissement, des élèves en général de plusieurs classes, qui sont encadrés par un enseignant qui a décidé de faire du théâtre dans son établissement et qui s'adjoint les services d'un partenaire artistique, le plus souvent un comédien, mais ça peut être aussi un scénographe, un metteur en scène ou plusieurs personnes dans une année. Eh bien, un certain nombre d'ateliers de l'Académie, pas tous, mais à peu près une dizaine d'ateliers se sont réunis aujourd'hui autour d'un projet qui est non travailler dans le cadre d'un atelier avec des intervenants différents. On prend tous les élèves, il y en a 129 aujourd'hui, qui viennent de plusieurs établissements, essentiellement des collèges. Et puis on les mélange, tous ces élèves-là, dans le cadre de 8 groupes. Chacun des groupes est encadré par un intervenant artistique, un comédien, qui les fait travailler toute la matinée autour, aujourd'hui, cette année, le thème c'est la métamorphose. On va essayer de travailler sur cette notion-là, l'environnement qui tout d'un coup vous remplit. Alors, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont des pistes? La voiture. Il y a une jeune fille qui tout d'un coup a imaginé devenir une voiture. Et il s'avère que moi, j'avais en référence un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Fernando Pessoa, qui justement parle du sensationnisme, c'est-à-dire que tout d'un coup, l'environnement prend une telle ampleur sur vous qu'il entre à l'intérieur de vous et vous êtes vous-même l'élément que vous étiez au départ en train de regarder. Et donc on a travaillé sur ce principe-là. Donc on est parti sur des moteurs. Alors, l'avantage des moteurs, c'est que ça dynamise l'équipe. Et après, comment on l'arrête? Alors on va se concentrer et d'un seul coup, voilà, on se marre. Prenez bien le temps, donc point zéro, t'as le temps, tu l'enlèves de ta poche. Voilà, prenez bien le temps, faites pas tout vite, tu siffles, pouf, et là, tac, tout le monde d'un coup tombe, et après tu siffles doucement. Moi, je suis moi, vous, vous êtes vous. Oui. Moi, je suis vous. Ah oui. Et hop, d'un seul coup, hein, c'est comme quand on tombe, hein. Et voilà. Bien, depuis le début. Alors évidemment, l'intérêt, puisqu'ils ont travaillé toute l'année avec le même intervenant, souvent, là aujourd'hui, on les met dans une situation de surprise un peu, c'est-à-dire de travailler avec quelqu'un d'autre pour peut-être voir comment on peut travailler autrement avec aussi sur un autre projet que celui sur lequel ils travaillent dans l'année. Moi j'aurais bien aimé sur ça. Oh, roue, engrenage, un truc comme ça juste. 1, 2, 3. Oh, roue. Ok, c'est bien, bon, on arrête, on prendra un temps tout à l'heure pour un filage. C'est bien, alors au début ça a mis un petit peu de temps à chauffer, mais l'énergie est bonne sur le début, donc il faut que vous retrouviez ça tout à l'heure, d'accord? Mangez correctement, c'est important pour que vous ayez des vitamines, de l'énergie. Là, on les a laissés travailler 2h, 2h30 ce matin, et cet après-midi, tout le monde est réuni dans la grande salle du théâtre d'Hérouville pour assister à un extrait, un petit bout de travail qui a été répété ce matin devant tous les autres. Pouvoir être moi seule, pouvoir être tout moi seule, tous les deux à la fois, pouvoir être moi seule, pouvoir être moi seule, pouvoir être moi seule, tous les deux à la fois. Comme s'exprime un moteur. Devenir une machine en furie.
ce bébé qui dort, ce bambin agité, cet homme aux cheveux blonds, ces gens qui se regardent, cette femme enceinte, ce garçon qui se moque. Être aussi petite pour pouvoir me faufiler là où je le désire. Être aussi souple qu'une contorsionniste. Être aussi légère qu'une feuille caressée par le vent. Laissez-moi le temps de perdre mon temps.